260 mètres de long, 2000 hommes, 40 avions de combat, le Charles de Gaulle défie la mesure. Embarqué à bord de ce géant des mers. Pour les pilotes, c'est l'heure d'enfiler la combinaison de vol. On pourrait dire les combinaisons. Voler au-dessus de la mer nécessite quelques précautions supplémentaires. L'eau est froide en ce moment, donc on vole avec une combinaison étanche en cas d'éjection. En dessous, on a des sous-vêtements de vol relativement chauds parce que la combi étanche, elle tient pas chaud. Et ensuite, on a un pantalon anti-gé et un gilet de combat que je mettrai au dernier moment. Sur le porte-avions, les pilotes forment une caste à part. On ne les appelle ni par leur nom, ni par leur grade. Ils ont des surnoms. Voici donc Rox, pilote de Rafale depuis 2 ans. Rox prépare sa mission avec un autre pilote. Et on n'y comprend pas grand-chose. C'est normal, il parle pilote. Je te rappelle, les repères, ça sera un étagement nul. Tu m'alignes mon casque sur l'horizon, sinon c'est les repères de PS standard. Je te lâche à 289 600 pieds. Je breakerai 17 secondes sur l'avant du bâtiment. Tu breakeras 25 secondes derrière moi. Donc c'est une mission de close air support. Dans des missions à l'image de ce qui pouvait se faire en Afghanistan. Le but, c'est de venir en appui de fantassins qui sont au sol, qui sont en liaison radio avec nous et qui nous désigneront des objectifs à traiter avec notre armement pour les aider à progresser ou à se défendre. Au même moment, sur le pont d'envol, les chiens jaunes entrent en scène. On va monter le SEM-31, mais en passant par le hangar avant. On fait la manip inverse. Leur nom vient tout simplement de la couleur de leurs vêtements, qui doivent être bien visibles. Ici, ce sont eux les patrons. Leur mission, les mouvements des avions sur le pont d'envol. Et pour les aider, une simple maquette. Qu'est-ce que j'ai à voir pour la prochaine pontée, lieutenant ? La prochaine pontée, tu auras le hocaï en 1-2. Et tu auras deux SEM entre les ascenseurs. Vous avez des numéros à moi ? Ouais, attends, je vais te donner les numéros. Donc tu auras en 3 le SEM-17 et en 4 le SEM-2. En fait, c'est une maquette donc de tout le pont d'envol. C'est pour permettre de savoir où se trouve chaque avion sur le pont d'envol. Tout simplement. Exemple, si je demande à le Rafale 21, je sais qu'actuellement il est sur le parking avant. Voilà. Si jamais on veut le descendre en hangar, on le mettra alors sur le hangar adéquat. Et là, vous avez le hangar représenté de l'autre côté. On sait exactement où est chaque avion. Le maître Amaro est chien jaune depuis 3 ans. C'est la seule femme à ce poste en France. Donc l'équipement important pour le pont d'envol, la brassière, indispensable. Le sifflet, c'est notre outil de travail. Ici, vous avez tout le parking milieu. On peut recevoir jusqu'à 5 super étendards, car on peut avoir aussi 4 rafales ou le Hawkeye et 2 rafales. Voilà. Donc là, c'est un parking, on va dire, d'attente, car après, tout est rangé. Le Hawkeye, le voici. C'est cet avion équipé d'un puissant radar chargé de surveiller les mouvements aériens. Pour faire décoller les avions, c'est un véritable ballet qui se met en place. Une dizaine de métiers différents intervient. Ceux qui ont les brassières marron, les techniciens, qui eux vont s'occuper donc d'accueillir les pilotes, les sécurités pilotes vont s'occuper de l'avion. Vous avez le chef d'équipe qui a le brassard blanc et vous avez les brassards rouges qui vont être les carbus. Ils vont s'occuper de faire les pleins sur les avions afin qu'ils puissent repartir tout à l'heure dans de bonnes conditions. Pour exercice à la infanterie en
La routine à bord d'un porte-avions, on ne connaît pas vraiment. Ce jour-là, exercice anti-incendie grandeur nature. Près de 500 hommes mobilisés, un quart de l'équipage. Bien reçu. Je vous confirme l'ouverture du Poséidon d'abord. Donc actuellement, la possible hypothèse de renquérant bizarre fumée par l'ouverture du Poséidon. Moyen d'appel par UGA depuis l'adjoint en direction de local sinistre. Vous nous expliquez ce que vous êtes en train de faire? Là, on lutte contre un sinistre dans un poste. Donc on fait évacuer de manière réflexe toute la tranche qui est potentiellement sinistrée dans laquelle on peut retrouver des fumées. Et on est en train de faire partir un groupe avec des pompiers lourds que vous voyez derrière moi qui sont en gris afin de lutter directement contre le sinistre. Et une supérieure? Une protection supérieure et deux protections latérales. Sur un navire transportant des munitions, de l'essence et des missiles nucléaires, la lutte contre les incendies est une priorité. C'est vraiment un événement redoutable pour lequel on s'entraîne de manière régulière, de manière intensive, comme vous pouvez le voir. Parlez. Reçu. Pour lequel l'ensemble du bord est formé, en fait, depuis le plus simple matelot, en passant par les équipes spécialisées de la brigade sécurité, et enfin, vous le verrez, on le jouera tout à l'heure, l'ensemble du bord peut être sollicité dans le cadre d'un événement qui sera amené à dépasser nos moyens. Le Charles de Gaulle est un immense immeuble flottant, 20 étages, des kilomètres de couloirs. Malgré ses dimensions, l'espace est compté. Les cabines des hommes du rang accueillent 18 personnes dans 40 mètres carrés. De simples couchettes et une petite salle commune pour se détendre. Le soir, certains lisent un bouquin, certains regardent un film sur l'ordi portable, à la télé, un film collectif. Le bord, des fois, en mer, nous passe un film par soir. Donc, du coup, sur toutes les télés, on a la chaîne du bord qui nous permet de suivre un film. Certains vont au sport, certains vont téléphoner. Chaque personne vit différemment, mais on est tous ensemble vraiment dans ce poste-là. Pour le pilote, l'heure du catapultage approche. Dernière vérification sur le Rafale, un avion à plus de 100 millions d'euros l'unité. Dans le vacarme des réacteurs, impossible de s'entendre. Pour communiquer avec Rox, le maître Amaro utilise un langage des signes un peu particulier. Si on veut faire avancer l'avion, déjà l'avion qui est stoppé, on va lui faire lâcher les freins. Pour le faire avancer, là je vais le diriger droit. Là, je veux qu'il vienne sur ma droite, là sur ma gauche. Là, ça va être pour le faire freiner. Donc là, il est freiné, il est stoppé. Il y a des dangers partout. Tout autour de vous, vous avez vu les dangers en permanence, il faut faire attention à tout ça. Et on doit tous se surveiller mutuellement, en fait. C'est vraiment un pouvoir démarrer. Le Rafale de Rox va être catapulté. En 2 secondes, l'avion passe de 0 à plus de 250 km/h.
Dans l'accélération, le poids de Rox est multiplié par 4. Sur le pont d'envol, les catapultages s'enchaînent, un toutes les 30 secondes. Ce sont les mêmes avions qui sont intervenus en Afghanistan et en Libye. La passerelle de navigation. Ici aussi, la tension est palpable. Pour les catapultages, le porte-avions doit naviguer à la bonne vitesse. Bâbord stop. À l'avant, toujours sème lourd chez Descartes. Reçu. Attention, tu tapes le bas du compas. Là, je suis en train de mettre à la route pour assurer la bonne vitesse et la bonne route pour mettre en œuvre les avions. Donc je surveille comment varie le vent et pour adapter ma vitesse en fonction. Pour manœuvrer le porte-avions, pas de gouvernail, mais une simple manette semblable à celle des jeux vidéo. Cet homme a la lourde tâche de commander le porte-avions. À bord, on l'appelle le Pacha. Alors l'image que je prendrais la plus simple, c'est celle d'une communauté urbaine. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein de villages qui font des métiers différents. J'ai le village des atomiciens, j'ai le village des mécaniciens d'avions, j'ai le métier des opérations sur le bateau, le village du pont d'envol. Et donc mon travail, ça consiste à synchroniser ces villages, à faire que chacun réponde aux besoins opérationnels en phase avec l'autre village. Voilà. Et sur certaines activités, typiquement celle de catapulter ou de ramasser des avions, c'est quasiment 90% des villages du bateau qui sont motivés sur la mission. Allez, suivant. Quelques étages plus bas, à bord on dit des ponts, changement d'ambiance. Pour fonctionner, un porte-avions a aussi besoin d'une laverie. 2000 hommes à bord, cela fait beaucoup de linge, plus de 2 tonnes par jour. Comment vous faites pour ne pas vous perdre dans tout ce linge ? On a des fiches. On a des fiches avec le gisement, le numéro de poste, le service, ainsi que le nom de la personne qui nous emmène le linge. Et c'est dans des sacs, comme vous voyez ici. Et en fait, on fait sac par sac. Tout ce qui est ensemble, on le met ensemble, s'il y a plusieurs sacs. Et après, il n'y a pas de mélange, normalement. Si tout se passe bien. Le matelot Boukemara travaille ici depuis 2 ans. Comme toutes les femmes de l'équipage, elle est logée dans un espace séparé, strictement interdit aux hommes. À bord du Charles de Gaulle, 1 homme sur 10 est une femme. Et en tant que femme à bord, vous avez des difficultés ? Pas pour moi. Ça va, je me fais respecter. Il n'y a pas de souci, les hommes sont... Il n'y en a pas beaucoup qui sont contre les femmes à bord. Il doit y en avoir, mais... De toute manière, maintenant, on y est. Donc on va pas faire marche arrière, ça c'est sûr. Voilà. Le Charles de Gaulle, c'est également 4000 repas par jour. Quatre restaurants, dont 2 self-service pour les hommes du rang, et des salles réservées aux officiers. La nourriture, c'est quand même quelque chose de très important. C'est un moment où les gens sont entre eux, peuvent discuter, peuvent se distraire un peu. C'est vraiment un moment très important. Surtout sur un porte-avions.
surtout sur le porte-avions, parce qu'il y a les pilotes, on fait en fonction des pilotes, il y a des réservations, tout ça. C'est les pilotes, eux, ils volent, donc ils ont besoin de bien manger, tout ça, pour pouvoir faire leurs opérations. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on vit enfermé à bord d'un porte-avions. Aucun hublot. Le si peu qu'on peut voir le jour, on essaie d'en profiter. On va sur le pont d'envol, sinon on va à les plages arrière, mais on en profite. Mais la plupart du temps de la journée, vous voyez... La plupart du temps, on ne voit pas le jour. Pour faire la distinction entre le jour et la nuit, les couloirs sont éclairés en rouge. Le Rafale, c'est un peu la Formule 1 du ciel, un avion ultra performant qui doit tout de même passer de temps en temps dans les mains des mécaniciens. C'est quand même beaucoup, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit des choses qu'on n'aurait pas forcément vues ailleurs. Après, bon, c'est vrai que le rythme est soutenu, mais bon, ça vous permet de ne pas nous ennuyer. Un métier passionnant qui a aussi ses contraintes. Les missions en mer peuvent durer plusieurs mois. Allez, loin du Montpellier, forcément. Et c'est la majeure contrainte, la principale pour moi personnellement. Une en plus, une rondelle de ferrure de bloc. Les quatre ? Ouais, j'ai les quatre. Moi j'ai commencé à 8h, on a fini à 11h, on a eu la relève. Après de 11h à 1h on va manger, l'après-midi on a un repos, la plupart du temps on fait une sieste pour pouvoir récupérer un petit peu quoi. Et cet après-midi on n'a pas pu faire de sieste parce qu'il y avait un exercice justement. Donc là on a fait un petit peu une journée non-stop. Mais bon, avec des chantiers comme ça c'est vachement intéressant donc... C'est plus motivant quoi. Et là vous allez travailler jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3h du matin. C'est la butée. Un peu à l'écart, un homme croque les mécaniciens. Un peintre invité exceptionnellement sur le porte-avions. Tout est réuni. Bon, tout est réuni, toute technologie, tout est technique. Le moindre objet, le moindre outil, tout est technique. Et il y a l'homme qui vient se servir de tout ça, qui a pensé, ça me fascine. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement et l'ambiance. Une ambiance très particulière, il y en a qui sont en attente et ils vont se préparer. Prêt à partir sur les pistes. L'ambiance du hangar. Alors, Charles de Gaulle, c'est formidable, c'est le bruit. C'est le bruit, les odeurs, c'est ça qui me fascine. Là, de travailler dans des conditions comme celle-là, c'est extraordinaire. On plonge dans leur univers. Et là, votre collègue. Le collègue qui est avec moi, il est parti fumer, il va revenir. Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est mon pote. Un peu plus loin, ambiance moins artistique. Les fusiliers marins. Tous les jours, ces soldats répètent les mêmes gestes. Vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Là, on progresse en tube, en fait. On est dans une colonne, on fait une investigation. Le matelot Paleni fait partie de ces soldats d'élite. Leur mission, empêcher toute intrusion ennemie à bord. Aujourd'hui, localisation et neutralisation de deux pirates. Dans ce que vous faites, sûrement.
désolé, hein, c'est un peu dur de se concentrer, de faire les deux choses en même temps. Qu'est-ce que vous plaît dans le fait de faire ça? Bah déjà, j'ai toujours voulu être militaire. C'est comme ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et après, la protection des France, plus spécialement, c'est carré des spécialisations qu'on n'aurait pas dans le milieu civil, par exemple. L'adrénaline de certains moments, une certaine cohésion, une camaraderie qui est différente. La mission de Rox se termine. Pour rejoindre le porte-avions, il va devoir apponter la phase la plus délicate du vol. Et quels que soient les mouvements du pont, l'état de la mer, il faut rester sur trajectoire, faire confiance aux officiers d'appontage qui de toute façon nous renverront et nous interdiront d'apponter s'ils considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Donc les vitesses d'approche là, du Rafale, c'est de l'ordre de 250 km/h et on est arrêté sur une quarantaine de mètres par les brins d'arrêt. Le travail de Rox est loin d'être fini. Il va maintenant devoir débriefer sa mission et préparer la suivante. Appontages se succèdent. Le maître Amaro est toujours à la manœuvre. Pour elle, travailler ici est avant tout une passion. Le plaisir d'être entouré, d'être avec les avions, c'est un métier passionnant tout de même.